Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite du chapitre 2, saison 2. Et je vous annonce que si on réalise un top 1, soit dans cette vidéo ou d'autres vidéos, en solo, en arène, en duo ou en squad, eh bien, je m'offre le pass de combat. Donc, n'hésitez pas à venir rejoindre le Discord. Comme ça, on pourra jouer en vocal tous ensemble. Nous sommes pour l'instant une trentaine. 35, je pense, ou 39. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Non, j'ai quelqu'un. Un métros. On court, on court, on court, on court. Allez, on va chercher vite des armes dedans. J'espère qu'il y a des armes. Allez, on le tue. J'espère qu'on va pas mourir. Ah, nice. Déjà ça. On le revive parce que notre coéquipier n'est pas très intelligent, on dirait. Bon, pour faire ce top 1, ça va être compliqué étant donné que j'ai une aim sur ce jeu d'une boule, si on veut. On va vite se soigner. J'ai une M de moule. Et voilà, donc ça va être compliqué de faire ce petit top 1. Je vous l'accorde. Il faudrait plutôt que j'ai une équipe qui me carry. Avec cette team, j'aime bien. Ils sont pas trop rushers. Donc je peux jouer à l'aise, à la cool. Est-ce qu'il y a un chemin? Il n'y a pas de chemin. Il n'y a rien à cacher. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas cette version de donc la nouvelle saison, la mise à jour de Fortnite qu'ils ont réalisé. Grappin, non. Je vois rien. Ok, il n'y a rien d'intéressant. Tac. Parce qu'il paraît que Fortnite ne sortait rien de très intéressant depuis quelques mois. Et ici, on dirait que ça refait un petit peu parler de lui, le jeu. Donc je pense que c'est un bon move de Fortnite d'avoir fait cette mise à jour. Ça permet aussi de remettre des points d'intérêt, étant donné qu'on avait pu tilter de tower. Ouais, je vais prendre le pompe. Il y a des ennemis, c'est parti. On récupère les bois, les coffres, etc. rapidement récupérables. Allez, on va suivre nos coéquipiers qui sont par là. Let's go. On a encore le temps de vite fouiller. Pas la canne à pêche vu que j'ai un défi à faire, c'est de pêcher cette fois je pense. Est-ce qu'on peut voir ou pas? On peut voir proximité, un porte verrouillé par un scanner. Ok,
Donc là, ici, dans le coin, il n'y a pas grand-chose à faire. Dommage. Let's go. Et on va rejoindre notre coéquipier maintenant. Il faudra un espace de... Ouh, nice. Ça c'est cool, on a des munitions. Qu'est-ce qu'il a vu devant nous? Je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez jouer avec d'autres personnes. Par exemple, si vous êtes un joueur solo, que vous aimeriez bien jouer avec d'autres personnes, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et aussi de me rajouter sur Fortnite. N'oubliez pas aussi que j'ai le code créateur, donc vous pouvez le mettre ou pas. Ce n'est pas d'importance pour moi. Mais bon, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, hein, je vous interdis pas. Et je ne force pas non plus à me mettre. On va aller sur l'agence au centre. Oula! On tire dessus. De où? Je ne sais pas. Mon jeu il freeze un tout petit peu. Ça c'est un petit peu embêtant. Je vous l'accorde. Est-ce qu'on pourrait pas... Ah ça c'est cool. On va récupérer ça. Et on va lancer... De l'heure. Premier l'heure. Où ça freeze. J'espère qu'on va pas nous tuer. Vite, 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 vite. Notre coéquipier est mort. Nice. Whoop. Non! Mon jeu il freeze beaucoup beaucoup trop pour l'instant, ça c'est assez ennuyeux. Bon allez, on va relancer une deuxième game. C'est parti, on fait un petit top 16 pour l'instant. Let's go! Moi je vais pas aller dessus directement, étant donné que j'ai une survie négative. Où, mon aim est assez nul pour l'instant. Donc oui, je compte un petit peu sur mes coéquipiers pour être un petit peu carry. Pour essayer d'approcher... un bon score, étant donné que je n'ai jamais été un grand joueur pro de Fortnite. Et c'est toujours en jeu, hein, le fait de réaliser un... Ouh, nice. De réaliser un top 1 et de s'offrir le pass. Ça en prend, ça en prend. Et ça les mine, non. Ok, c'est bon. Ça nous fait déjà un bon stuff, en fait. Cette maison, elle est plutôt sympa. Non, mince. On reprend un scar, on va prendre un peu de bail. Et en fait voilà, ce qui se passe c'est qu'il y en a déjà un de déco, un de mort. Un de mort, et bientôt deux, du coup c'est pour ça que je vais jamais sur le centre de la map. Donc d'atterrir sur l'agence. Touche. Mon aim est trop nul. Dites-moi en commentaire sur quel pourcentage vous mettez votre souris. Étant donné que pour moi ça me semble un peu trop rapide. Et je préfère jouer par exemple sur CS où j'ai allez, une sensibilité de souris, je vais pas dire faible, hein, mais quand même assez faible. Alors que ici, même si je joue en rapide ou en faible. Je n'arrive pas à bien jouer. Parce qu'on a toujours notre coéquipier de vivant. Ouais. On va essayer d'aller avec lui. Pour le sauver un petit peu. On va essayer de le carry. Comme on peut le dire. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose de propre? Quand je commence à me concentrer, c'est que je... Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je réalise du contenu
contenu de jeux vidéo, du Fortnite, Clash Royale, Clash of Clans, etc. Je crois que j'ai fait un truc sympa. On va aller par là. Notre coéquipier est mort. Nice. Premier kill, ça on l'a plutôt bien réussi. Ah non, on va prendre ça. Allez, trompe pas. Oups, let's go, on s'échappe. Et est-ce qu'on va réaliser ce fameux top 1 peut-être? En tout cas, je suis un 1v squad. Et moi, je vais m'enfuir, hein, ça c'est clair. Hein. C'est clair et net, je m'enfuis. Par contre, j'ai pas de shield du tout. Mais par contre, on a réussi à avoir la Thompson et avoir notre premier kill à la Thompson. Ça c'est plutôt sympathique, je vous l'avoue. C'est marrant, ils ont réussi à tuer le Miral. Ça y est, j'ai oublié le nom du petit boss de l'agence. Et ils ont laissé la Thompson, le pistolet mitrailleur, un tambour de Midas. Ah, c'est Midas, voilà. Et ils ont réussi à laisser, du coup, son arme en or. Voilà, en plein milieu. Moi, j'en ai bien profité. Elle est plutôt efficace, hein. Même avec mon aim assez négatif qui s'approche à une huître, j'ai réussi à tuer quelqu'un. Ça c'est plutôt sympa, vraiment chouette. Hop, ça on prend. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais, je joue cancer, mais on va faire Rocket Thompson et ensuite Lascar ou Lascar, ouais. Tac tac. Est-ce qu'on a du build un petit peu? Je ne suis pas sûr qu'on puisse gagner contre un fight build. Mais bon. On peut toujours s'entraîner. Bon, j'espère qu'il n'y a personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On n'a pas l'impression qu'il y ait quelqu'un. Ça, c'est plutôt chouette. Donne-moi. Oh mince. Faut du shield. Donnez-moi du shield, s'il vous plaît. Voilà. Encore une caisse. Est-ce qu'on la prend? On la prend. Tac. On la casse. Est-ce qu'on va quelque part? Non, même pas. Ok. Ça a servi complètement à rien. Oups. On va se changer, je pense. Et on devient un fantôme. Ah, nice. Ça, c'est plutôt cool. Mon objectif est clairement de faire un top sans fight, enfin sans provoquer trop le fight. Vous voyez un maximum de l'endroit. Par contre, j'entends un coffre. Ok, là. Top. J'ai pas de shotgun, pas grave. J'ai un lance-roquette. Et on va essayer de aller vers Wedling. Weeping Woods, peut-être. Je n'ai même pas de shield. Mince. Un booze. Un, deux, et le troisième. Un, deux, trois. Voilà. Petit champignon. Même si c'est que 5 par 5,
Là-dessus. Ça va être top. Nice. Corpus de lance-grenade. Fin de roquette. Et on se rapproche du top 20. Let's go. Et là, on est en 1v squad. Ah, c'est chaud. On se rapproche discrètement de la zone, là-bas ça build. Excusez-moi si je ne parle pas beaucoup, je suis assez concentré. On a du tir devant nous, je pense. Ça tire tout près de nous. On va se rapprocher un max. Et où est-ce que ça pourrait bouger? Ah, ça bouge devant nous là, à notre droite. Je suis désolé, mais on va jouer cancer direct. Jouer avec le lance-roquette, ça c'est sûr. Et non. Et c'est notre premier kill, enfin deuxième kill, pardon. Bon, je profite hein, du de la roquette, hein, je vous l'accorde. Mon cœur qui bat dans tous les sens. On a dû utiliser deux roquettes pour une personne. C'est un peu fou, mais ça devrait aller. Bon, j'espère qu'on va pouvoir retrouver encore du stuff pour notre roquette. Aucun risque. J'espère que vous comprenez que je ne souhaite prendre aucun risque dans cette game, étant donné que je suis en 1 vs squad. Ah mince. Il est où ce coffre? On reste sous nos gardes, parce que nous, on avait fait ça avec notre adversaire, c'était de le suivre à la trace, dans le dos. Bon, si c'est sur le game. Oula! Est-ce que c'est un bret? C'est un bret qui tire. On a du fly là-bas. Oula! Un autre gauche dans un petit tour. Il y a quelqu'un. On va juste l'attendre. Ouh, on l'a raté. Allez, on court, on court, on court. On s'est tué. Bon bah ça c'est le retour du karma. Donc on s'est fait un petit top 6. Je suis désolé pour cette game. En tout cas, si vous voulez faire du squad, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On joue ensemble en général. En tout cas, on a une communauté qui aime bien jouer, que ce soit sur Brawl Stars, etc. À plusieurs. Et ça pourrait être sympa de faire des futures vidéos de game avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, etc. Et à bientôt. Ciao, ciao.